Et vous n'oubliez pas, en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre Christine Le Guirec. Ça sonne, je vous mets sur haut-parleur. C'est à vous. Je prends l'accent belge? Non. Allô? 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 Pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? C'est moi. Bonsoir, monsieur Leblanc. Georges Van Bruegel à l'appareil. Pardon de vous déranger à une heure aussi tardive, mais je suis producteur belge, n'est-ce pas? J'arrive de Belgique une fois et je suis très intéressé par votre roman. Votre roman? Le petit cheval de manège. Le petit cheval de manège. Et j'aimerais discuter l'achat des droits pour le cinéma. C'est une blague ou quoi? Pas du tout. Pourquoi une blague? Étienne. Pardon? Arrête tes conneries, Étienne, je t'ai reconnu. Vous faites erreur, monsieur Leblanc. Je ne suis pas Étienne du tout, je suis producteur et j'arrive de Bruxelles. Quelle production? Pardon? Votre maison de production, c'est quoi? Les films du plat pays. Les films du plat pays? Ce sera une production jeune mais dynamique, monsieur Leblanc. Et vous êtes intéressé par mon roman? Absolument, très intéressé, oui. C'est pour le cinéma ou la télé? Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran. Pas pour la petite lucarne. Je dois vous prévenir que j'aimerais faire l'adaptation moi-même. Ça ne paraît pas poser de problème, ça, monsieur Leblanc. Mais vous devez seulement savoir que nous ne sommes pas une grosse production et que nous n'avons pas de nos moyens. Hein? Mais si vous n'êtes pas trop gourmand... On réglera les questions d'argent plus tard. Quand puis-je vous rencontrer, monsieur? Monsieur? Van Bruegel, alors écoutez... Alors, je vous appelle demain chez vous et on prend rendez-vous une fois. Entendu, à demain. À demain, monsieur Leblanc! Et voilà, on a les droits. Ouh là 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 là. Et pour pas cher, à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, le gars. Et ma femme? Quoi? Il a oublié ma femme. Il fait le clown pendant 5 minutes et il oublie ma femme.